Je me souviens très d'une façon tout à fait claire et précise. Je vois encore n'est-ce pas, le cadre et tout ça dans sa chambre. Une conversation que j'ai eue une fois avec lui, à la suite de quoi, je ne sais pas. C'était... Je ne sais plus ce qui a précédé, tu comprends? Mais il me disait, we can't both remain upon earth. One must go. Et alors moi je lui dis, I'm ready and go. Et il m'a dit, no, you can't go. Your body is better than mine. You can undergo the transformation better than I can do. Et ce qui est curieux, c'était ça a précédé toutes ces difficultés physiques. Mais je n'y avais pas attaché beaucoup d'importance. C'est seulement quand il est parti que tout d'un coup c'est venu et je me suis dit, mais voilà, il savait. C'était... Je ne sais pas. C'était presque comme une spéculation, tu comprends, qu'il disait comme ça. C'était au moment où on a déménagé de l'autre maison à celle-ci, parce que c'était dans cette chambre aussi, un jour, et c'était avant son accident, avant qu'il se casse sa jambe. Et à la suite de quoi, je ne sais pas. Ça, c'est parti. Mais ça, je me souviens clair, je vois encore la chambre, tout, comment il était, comment il m'a dit. We can't both remain upon earth. Mais pourquoi deux ne peuvent pas rester? Hein? Pourquoi deux ne peuvent pas rester? Pourquoi? Mais... Quand il me l'a dit, ça m'a paru si évident que je ne lui ai même pas demandé. Par conséquent, ça devait être la suite de quelque chose est parti. Parce que je me souviens, n'est-ce pas, je lui ai dit, et je lui ai dit, n'est-ce pas, I'm absolutely ready and go. Et alors il m'a regardé, il m'a dit, no, your body is better than mine, it can undergo. Pourquoi? Peu de fois je me suis demandé ça depuis. Oui, on serait tenté de penser qu'à deux, on peut se porter l'un l'autre mieux. Je me souviens d'une autre chose, alors beaucoup plus récente, quand il était parti. J'étais en bas, il y a très longtemps, il y a des années. C'était pas très longtemps, c'était peut-être un an ou deux ans après son départ. J'étais dans la salle de bain en bas. Et dans cette salle de bain, le matin, de bonne heure, je prenais mon petit déjeuner sur un coin de table, n'est-ce pas, comme ça. Et alors, pendant que je commençais à manger, il est venu, il s'est tenu là. Et il était tellement concret que j'avais l'impression que il suffisait de très peu de choses pour qu'il redevienne matériel. Et alors je lui ai dit, oh, you're coming back. Comme ça. Et il m'a répondu, I'll always be with you, but I can't come back materially. I must not come back materially. Et ça,
C'était tellement matériel que j'ai tout d'un coup l'impression de rien, rien, et puis... Mais est-ce que ça ne veut pas dire que ta présence ici pourrait l'aider un jour à se matérialiser dans un autre corps? Ça, il a dit clairement, je lui ai demandé, il a dit clairement, I'll come back only in a supplemental body. Ça, c'était avant ce que je viens de dire. Alors, c'est toi qui l'aiderais à se matérialiser. C'est la construction de ce corps supramental. Oui, mais s'il se matérialise, c'est différent. Hein? S'il se matérialise, il y a... C'est différent que de le créer. Oui. Si Sri Aurobindo se rematérialise, mais dans un autre corps. Ah, dans un corps vivant. Dans un corps vivant, mais d'une autre substance que la substance physique. Oui, mais ça, c'est ça que je dis. C'est substance, quand, comment, quoi. Dans une imagination enfantine, on peut imaginer un Sri Aurobindo dont la substance lumineuse grandit, se développe, et puis quand le moment est prêt, il y a peut-être juste un passage à faire. C'est possible. En tout cas, qu'il est dans le physique subtil, ça c'est sûr. Il est tout le temps là. Om Satyam Jnanam Jyotiravindam 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 Om Satyam Jnanam